Voilà, le motif de l'appel au départ, c'était juste un feu de moto. Donc pour ça, nous on a envoyé le premier secours sur les lieux. C'est arrivé sur les lieux que le chef d'agrès s'est rendu compte que, au lieu de feu de moto, c'est un grand feu d'hydrocarbures, de dépôt d'hydrocarbures. Donc, instinctivement, il a dû procéder aux différentes demandes de renfort. Renfort depuis Cotonou, renfort depuis sa base à Calavi, renfort depuis Kokokodji, pour que ensemble nous puissions rapidement gérer cette intervention. Moto a quoi y a des soupçons de pécard, des gendarmerie pécard enfin. Mine de rien, mine de fille, voyons quoi, ouais, quand tu cours, mine de quoi, quoi. Mais à mon époux, mais on dirait que quelqu'un a dévié tout don. Bon, moto le pauvre quoi, ben dévié, dévié pour on, et ouais, bio fille, mine de milieu, bon bio essence gamme, bon diage essence gamme, quoi d'autre, quelqu'un pour. A dit déjà ton, mine de milieu, quand ils ont, bon ils doivent signer essence gamme, ils doivent signer essence gamme, père pour on mion ouli. Mais les renseignements qu'on a reçus de part et d'autre sur le terrain nous font état de ce que il y a une moto, la moto en question qui est consumée totalement là, c'est la moto qui a été percutée par un véhicule. Bon, un véhicule que j'appelle inconnu d'abord puisque je ne l'ai pas encore vu. Et dans sa chute, le motocycliste et la moto se sont retrouvés carrément au-delà de la chaussée, dans le décor. Malheureusement pour lui, son lieu de chute choisi était nez à nez avec un vendeur, hein, communément appelé vendeur de paillot. Et c'est de là qu'avec le bruit du moteur, l'échauffement de l'échappement, tout ça là, subitement, ça a pris feu. Et ça a pris en même temps le motocycliste qui a dû se débarrasser de son habit. À ce qu'il paraît, c'est ce qu'on a eu comme information et qui a pris la fuite. Donc c'est ce début d'incendie qui a entraîné rapidement l'étalage de vente là et qui a conduit au dépôt qui était juste derrière, c'est-à-dire contigu à la partie où l'étalage était installé. Tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que c'est le matériel détruit que nous constatons. Après, les reconnaissances approfondies nous permettront de bien fixer le bilan par rapport aux dégâts.